Bonjour à tous, castingsurf.com toujours. Aujourd'hui nous recevons Thomas Jouannet. Bonjour. Bonjour Thomas. Nous avons eu l'occasion hier de le voir en avant-première dans l'affaire Dominici. Thomas, comment ça s'est passé sur ce rôle, sur ce tournage ? Très bien. J'ai eu la chance de qu'on me propose un rôle énorme entre deux monstres, Michel Blanc et Michel Serrault, et c'est un super cadeau. En plus, ça, c'est l'affaire Dominici, une histoire vraie, donc c'est d'autant plus poignant. C'était vraiment un super cadeau, quoi, un tournage magnifique. Et le résultat, je trouve qu'il est vraiment, vraiment à la hauteur du tournage et la réalisation de Pierre Boutron est vraiment bien chiadée. Et je trouve que pour la télé, je trouve que c'est vraiment. C'est pas que la télé a une mauvaise qualité, mais là vraiment, c'est au-dessus de ce qu'on peut voir d'habitude, quoi. C'est le bel ouvrage. Ouais, c'est un très bel ouvrage, quoi. C'est un très bel ouvrage. Tu parlais des deux monstres, Michel Serrault et Michel Blanc. Je sais bien qu'un acteur apprend toujours, mais qu'est-ce que tu as appris avec eux ? Si tu as appris. Oui, j'ai appris, j'ai encore beaucoup à apprendre, quoi. Mais quand tu te retrouves face à des mecs comme ça, t'observes, tu. Je sais pas. Ce qui est assez étonnant, c'est que ce que j'ai appris en fait, c'est que t'as deux acteurs qui sont, que moi j'admire vraiment, et qui ont deux méthodes de travail totalement différentes, quoi. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que tu dis vraiment, il y a pas la méthode Stanislavski, une autre, tu vois, ou un tel. C'est que chacun a sa méthode pour arriver à un résultat d'enfer, quoi. Que ce soit Michel Blanc ou Michel Serrault, quoi. Alors t'en as un, c'est plus Michel Serrault sera plus l'instinctif. Super présent sur le plateau, à faire rire tout le monde, très généreux avec tout le monde. Et Michel Blanc, ça va être quelqu'un de beaucoup plus précis, discret, etc., avec une précision d'horloger. T'as deux méthodes pour arriver à un résultat d'enfer. Donc c'est vachement rassurant parce que tu dis, c'est bien, quoi, il n'y a pas une voie, chacun fait un peu sa sauce, tu vois, voilà. Tu crois que ces deux méthodes, tu vas les réutiliser, tu vas t'en imprégner, ça va influencer ton travail ? Je sais pas, je vais prendre. Je fais la mienne, quoi. Enfin, la mienne, je sais pas, ça dépend des films, ça dépend des trucs comme ça, mais. Non, c'est surtout, surtout que se dire que c'est pas forcément. Le besoin d'un acteur pour un film, pour un personnage, n'est pas forcément le même pour un autre. Et c'est aussi cette leçon-là que t'apprends, quoi. Tu vois. Mais t'apprends beaucoup de choses. Par exemple, c'est vrai que face à Serrault, c'est incroyable. Il a pas peur de se planter. Donc il va au bout de plein de choses. Il essaye. Il se casse la gueule. Donc tout d'un coup, t'as des perles qui sortent, quoi. Tu vois. Et tout d'un coup, t'as des trucs incroyables, quoi. En même temps, il me disait, bon, mon petit gars, moi, j'ai 50 ans de métier, hein, donc. Comme le bon vin, ça se bonifie, quoi. On parlait de l'apprentissage. Parlons de la formation de l'acteur. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ta formation ? Alors, ma formation, moi, j'ai commencé à faire du théâtre assez jeune, à travers l'école, le lycée, etc. Mais je le faisais vraiment par plaisir, sans savoir vraiment que c'était un métier. Tu vois, je me suis jamais vraiment posé la question. Ça a été vachement des farces, des comédies, des trucs comme ça, mais pas forcément sur des pièces écrites, quoi. Et puis après, très vite, j'ai commencé. Après, je suis monté à Paris, j'étais au cours Périmony, et là, c'était une formation beaucoup plus classique sur les auteurs classiques, du Shakespeare, du Molière, etc. Et bon, qui l'air de rien, c'est les gammes, quoi. Je trouve que tu vois, c'est vraiment des bonnes gammes pour apprendre le métier, quoi. Parce que t'as des textes qui sont pas évidents à défendre, où tu faut vraiment te les mettre en bouche, etc. Il y a une richesse, une profondeur dans les textes, et voilà quoi. J'ai une base, disons, classique, mais après j'ai monté une compagnie, on faisait du théâtre de rue, on jouait dans les écoles, on a fait des pièces du 18e siècle, on a fait des créations aussi contemporaines qui avaient rien à voir. Donc je pense que l'important c'est de jouer, quoi. Jouer. Mais avoir la possibilité de le faire. Un musicien, il aura toujours son instrument chez lui, okay, pour travailler, etc. Mais justement, aux comédiens qui nous regardent, tu parlais des cours Périmony, que ce soit Périmony ou d'autres. Ouais. Est-ce que tu penses que le cours est essentiel ? Est-ce que tu penses qu'il faut passer par là ? Est-ce que tu le conseillerais à de jeunes comédiens ? Je sais pas, non, il n'y a pas de voie tracée, il n'y a pas de. Non, je pense pas, je pense que. C'est-à-dire, en fait, moi, quand je débarque à Paris, il fallait que j'apprenne, tu vois, je suis allé dans un cours, déjà, moi, ce qui m'a permis, quand tu débarques à Paris et que tu n'as aucune expérience, je connaissais personne dans ce métier, donc le meilleur moyen d'intégrer ce métier, de savoir un petit peu comment ça fonctionne, dès que tu rentres dans un cours, tu rentres dans un vivier de gens qui veulent tous faire la même chose, donc on se parle, on se dit, tiens, il y a...
il y a des castings, hein, c'est quoi un casting, il y a des agents, il y a des trucs, tu vois, et donc tu apprends comment fonctionne le métier. En dehors du fait que tu apprends ton métier de comédien d'abord, quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de préambule à un milieu professionnel ? C'est une première étape dans le milieu professionnel, le cours ? Ouais, peut-être, ouais. Il y a du combat, non, dans les cours, non ? Du combat moralement et éthiquement entre les élèves comédiens. Non, ça se bat déjà, non ? Oh, il peut y avoir quelques... Enfin, moi, dans mon cours, on était vachement unis. Il n'y avait pas vraiment genre de rivalité... De choses comme ça, quoi. Non, pas vraiment, quoi. Non. Et tu parlais du casting. Tu peux nous dire encore un mot sur les castings ? Certains aiment, d'autres détestent. Toi, tu en penses quoi ? Bah, moi, je les adore quand ils font bosser, quoi. autrement, je sais pas. Tu les prépares beaucoup ? Je l'ai ? Tu les prépares beaucoup, les auditions, les castings ? Ça dépend des rôles, en fait. Mais... Alors, parce qu'en fait, là, tu parlais des castings, donc vraiment le rendez-vous pour avoir le truc. Tu parlais pas des castings, les personnes physiques. Non, je parlais du rendez-vous, de l'audition, en fait. Bah moi, je trouve que, alors, par rapport à ça, c'est indispensable, en fait. Je trouve qu'en fait, un casting pour un acteur, c'est vachement important. Souvent, nous, on se place comme, on va se faire observer, machin, tu vois. Alors peut-être. Et je trouve que c'est une erreur parce que finalement c'est aussi un travail pour voir quand le réalisateur est là, ce qui est malheureusement rarement le cas au départ du casting, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un premier tour où il y a en général le casting directeur et puis après seulement tu vois le réalisateur, mais je trouve que c'est un début de travail avec le réalisateur pour voir si on fonctionne bien tous les deux, quoi. Et c'est important, tu vois, de voir pour lui, de voir quand il donne des indications, tu réponds à ce qu'il veut, etc. Et lui, de voir comment s'il est à l'écoute de ce que tu proposes et vice versa. Donc je trouve que les essais, c'est bien, quoi. Moi, je suis pour. Et je trouve que, tu vois, même si les gens ont une notoriété, etc., si ça nécessite des essais, moi, je suis toujours partant pour faire des essais. Je trouve que c'est bien, quoi. Pourquoi tu dis que certains rôles méritent un travail en aval et d'autres moins ? Oui, au niveau du casting, au niveau de l'audition. Non, mais c'est-à-dire que par exemple, tu peux avoir tout simplement, si tout d'un coup t'as un rendez-vous, t'as trois pages de texte, il faut le savoir, c'est le minimum, tu vois. Donc, pour pouvoir jouer, il faut quand même se libérer du texte. Donc, vaut mieux le bosser pour que tu vois, tu le digères et qu'après tu peux jouer, quoi. Donc déjà, tu vois, il y a juste une question de texte, quoi. Parce que ça arrive, il y a beaucoup de castings où tu arrives et on te file le texte directement là et tu vois et tu lis et t'es, voilà, soit tu l'apprends en 5 minutes et et ça se passe plus en impro, voilà, quoi. Ok. Alors, dernière question, c'est la question traditionnelle de castingsurf.com. Ouais. C'est encore une fois pour les comédiens. Est-ce que tu aurais un bon conseil, le mot peut-être un peu présomptueux, mais un truc à leur dire ? Non, le seul truc que je pourrais dire, c'est que, en fait, on est dans en ce moment, il y a vachement de rapport à l'image. Par la télé, par les trucs comme ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça parce que c'est vrai qu'il y a un côté paillette et tout et qui se posent la question, qui sont attirés, etc. Je pense que s'ils se posent trop la question, faut pas qu'ils le fassent, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une évidence, hein, tu le fais et basta, tu te poses pas de questions, quoi. Voilà, c'est tout. Foncez, quoi. Ouais, c'est pas au niveau foncé, c'est-à-dire que il y a beaucoup de jeunes gens qui veulent, enfin de jeunes gens, genre ça fait le vieux con, mais non, mais qui sont attirés par ce côté paillettes, image, etc., plus que par le côté de jouer, quoi. Donc alors à la rigueur, c'est plus une envie d'être connu, tu vois, comme ça. Donc ils se posent pas mal de questions, et je pense que le risque, parce que c'est pas facile, etc., je pense que quand on veut vraiment faire ce métier, on se pose pas la question, on y va, quoi. Voilà, et là t'as vraiment la passion et tu le fais, et voilà. On revient à la nature des choses, quoi. Le texte, l'image, le don de soi, l'abnégation. Oui, c'est une évidence, quoi. C'est, je sais pas, le don de soi, je sais pas quel conseil. Mais on prend du plaisir, voilà. Ok, super, Thomas. Bah, merci beaucoup pour ta disponibilité. Bah, c'est moi.